موجود اليوم بساو باولو وتحديدا ببينيروس. رح نتعرف بحلقتنا على ميلتون حتو، وهو من اهم الكتاب المعاصرين بالبرازيل، شخصيه برازيليه من اصل لبناني. خلينا سوا نتعرف عليها عن قريب. Monsieur Milton Hatoum, merci de nous recevoir ici dans votre maison à Sao Paulo. Vous êtes écrivain, traducteur et professeur universitaire. Vous êtes né à Manaus, en Amazonie, en 1952. Vous êtes aussi considéré comme l'un des écrivains les plus connus de la littérature contemporaine brésilienne. Vos parents ont émigré de Beyrouth, plus spécifiquement de Borja-Brajne. Racontez-nous un peu à propos de cette immigration. Oui, bon, merci à vous. Mon grand-père paternel est venu du Liban vers 1904 pendant les bombes de caoutchouc. Il est venu de Beyrouth, en Amazonie, pas à Manaus. Il a été à Acre, c'est un état à l'ouest de l'Amazonie. Qui était en guerre avec la Bolivie. Cet état, ce petit état de l'Amazonie, a été conquéré par les Brésiliens qui habitaient là-bas, surtout des émigrés du nord-est du Brésil. Mmh. Donc, mon grand-père s'est installé à Rio Branco, c'est la capitale de cet état, et il a vécu pendant 9 ans. En Acre. Et il est retourné à Beyrouth. Bon, il a gagné un peu d'argent, évidemment. Et il a construit une maison à Bourges. Et mon père, quand il était petit, quand il était enfant, il a écouté des histoires sur l'Amazonie, que son père lui racontait. Il était fasciné. Il était tout à fait fasciné parce que c'était des histoires un peu fantastiques, un peu bizarres. Il avait une guerre contre la Bolivie. C'était un territoire bolivien, l'état d'Acre. Mmh. Et il n'est pas venu au Brésil en tant qu'immigrant. Il est venu avec son cousin pour visiter le lieu où son père avait vécu. Et il était un fonctionnaire du ministère de la Justice à Beyrouth. Mmh. Et le cousin de mon père, qui est venu avec lui, Saïd Farhat, qui a été un ministre pendant le régime militaire. Donc, il est venu pour connaître le lieu où son grand-père avait vécu. Et à Manaus, il a connu ma mère, qui était brésilienne. Elle était née à Manaus et... Elle est née là, mais elle est aussi d'origine libanaise. Elle est d'origine libanaise. De Batroun. Oui, ma grand-mère était de Batroun. Et elle parlait un peu français, elle priait en français, chantait en français. Et mon grand-père n'aimait pas ça parce qu'il voulait qu'elle parle en arabe. Donc, parce que c'était un musulman qui s'est marié avec une chrétienne. En tout cas, on remarque que dans votre famille, il y a beaucoup de mariages donc multiconfessionnels. Oui, ça au Brésil... C'est normal. C'est normal, c'est-à-dire il n'y a pas des frontières. Enfin, la religion n'est pas exactement Et c'est ce qu'il faut, en tout cas. Donc, c'est arrivé avec mes grands-parents et avec mes parents. Mmh. Mon père était musulman. Il s'est marié avec ma mère qui était chrétienne. Et d'ailleurs, mon père amenait accompagnait ma mère à l'église tous les dimanches. C'est beau. Ouais. Et vous qui avez grandi dans cette ambiance très ouverte vers la religion, vous avez vécu comment votre foi ? Ma foi, la littérature. ni mon père ni ma mère n'ont pas à m'obliger à être religieux. Oui, en fait, je n'ai pas de religion, mais je respecte toutes les religions. Je crois que
c'est vide, j'essaye de combler enfin, en écrivant, enfin, en imaginant des situations, des conflits, des paysages, enfin, en créant des personnages. Enfin. Et ça n'a pas été un problème avec ma famille. Enfin, ma sœur est religieuse, enfin, elle a une religion. Et mes parents, mes oncles, mes tantes, ils n'ont pas, ils ne se sont pas mariés avec des Brésiliens d'origine arabe. J'ai compris. Vous avez vécu dans cette liberté de choix. Tout à fait. De faire une vie comme vous la souhaitez. Tout à fait. Vous avez donc vécu à Manaus, en Amazonie, et surtout votre enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant votre enfance? La liberté. Manaus était une petite ville, pour l'échelle du Brésil, une ville de 200 000 habitants à l'époque. Et enfin, je pouvais faire presque tout. Enfin, j'avais des amis, j'étais un chanteur, je chantais. Ah d'accord. Donc vous avez beaucoup de talent. Ah non, ma voix n'était pas si horrible qu'aujourd'hui, mais enfin, on avait un groupe de musiciens. Mm-hmm. Je lis quelques livres très importants de la littérature brésilienne et même française à Manaus. Déjà dès votre enfance, vous lisiez, vous aviez cet intérêt vers les livres et la lecture. Oui, mais je ne pensais pas que j'allais devenir un écrivain. Je voulais devenir un architecte, mais à Manaus, c'était une ville merveilleuse parce qu'il y avait des petites rivières qui entraient dans la ville, qu'on appelle Igarapé, parce que en langue indienne, ça s'appelle chemin étroit. Et, enfin, on allait nager dans ces petite rivière, enfin c'était très agréable, enfin donc il avait une grande communauté de Syriens, de Libanais à Manaus et enfin, mais je voulais quitter la ville à l'âge de 15 ans parce que je voulais étudier dehors de Manaus pour élargir les horizons et aller vers l'aventure. Voilà, et étudier l'architecture parce qu'il n'avait pas un cours d'architecture à Manaus à cette époque-là. Comment était votre relation avec vos parents? Est-ce que vous étiez plus proche de votre père ou de votre mère? Et qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Mon père était un homme très, très silencieux, très serein, très calme. Enfin, il avait une boutique à Manaus. Et enfin, je ne discutais pas beaucoup avec lui. Il n'y avait pas beaucoup de communication entre vous? Non, il n'y avait pas beaucoup. La présence des femmes pendant mon enfance et ma jeunesse était beaucoup plus forte. J'ai compris. Les femmes étaient très puissantes. Donc votre mère vous était beaucoup plus proche de vous et vous étiez peut-être plus amis avec elle, vous communiquiez un peu plus? Ah, tout à fait, oui, c'était elle qui décidait tout. C'était pas mon père. Ah, d'accord. Il était très obéissant. Aussi? Oui. Et ça, c'est rare, surtout un homme libanais, donc religieux, vous comprenez? Oui, c'est... mais le Brésil bouleverse ses valeurs. Je remarque. En tout cas, ça nous fait plaisir, nous les femmes, ça ne nous dérange pas. Oui, la présence des femmes était très forte, de ma grand-mère, de mes tantes, de ma mère. Et donc, c'est ma mère qui m'a laissé quitter la ville à l'âge de 15 ans, tout seul. Elle vous a poussé. Parce que d'aller de Manaus à Brasilia, c'était 2h30 de vol entre Manaus et Brasilia. Donc, quand j'ai quitté la ville, je savais que je ne pourrais pas y retourner. Donc, vous étiez parti à 15 ans, sachant que vous ne retourniez pas à Manaus? Oui, je suis retourné un an après. Et
une fois à chaque 2 ans. Donc vous étiez parti pour de bon, comme on dit. Oui. Et vous regrettiez d'avoir quitté aussitôt? Un peu, parce que Brésil, à l'époque, était une ville très dure à vivre à cause de la répression du régime militaire. Bien sûr. Et ça a été un peu dur pour presque un enfant. Surtout enfin, un adolescent de 15 ans. Voilà. Et c'était vraiment admirable de votre maman de vous laisser partir à cet âge et de respecter votre choix et oui, de ne pas être égoïste. Oui, c'était ça. Elle a respecté mon désir de suivre mon chemin. Mais ensuite, je suis venu à São Paulo en 1970, 2 ans après mon arrivée au Brésil. Et c'est là où vous avez été donc, diplômé en architecture et voilà. En urbanisme. Voilà. Mais pourquoi vous avez été diplômé donc, en architecture et vous n'avez pas donc, choisi d'être architecte? Vous êtes aujourd'hui auteur. Bon, parce que je ne pourrais pas vivre de littérature. J'étais un jeune de 18 ans et je voulais devenir un architecte. Je travaillais quand même un peu comme architecte quelques 2 ou 3 années à São Paulo. Et j'étais prof d'histoire d'architecture ici, dans une université à l'intérieur de São Paulo, à 200 km d'ici. Et ensuite, je me suis dit, je vais écrire, il faut quitter le Brésil parce qu'il y avait de la censure à l'époque. Ça, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas être artiste, c'était un problème. Et ce n'était pas facile d'être un artiste, un écrivain au Brésil à cette époque-là. D'ailleurs, c'est un des sujets de mon roman « Cendres d'Amazonie ». Exactement. L'impossibilité d'être, ou la difficulté de devenir un artiste au Brésil aux années 70, par là. Sous la répression, surtout, voilà. De l'armée. Vous avez obtenu une bourse jusqu'en Espagne. Vous avez aussi effectué des études. Et puis après, vous avez été à Paris et vous avez obtenu un master en littérature latino-américaine de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc c'était aussi des voyages et aussi bien sûr de l'éducation. Oui, et en même temps je travaillais en tant que traducteur, journaliste, enfin je faisais un peu de beaucoup de choses, le fil d'insert en France. À cette époque-là, au début des années 80, Paris n'était pas très cher à vivre. Le monde a beaucoup changé à partir des années 90. Aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas vivre à Paris comme je vécus à cette époque-là. C'est sûr, il y avait encore le franc. Maintenant, il y a l'euro et il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui ont changé. Ça. Et j'ai commencé à écrire mon premier roman à Paris. À Paris. En Espagne et ensuite à Paris. Et je l'ai fini à Manaus. Donc, c'était pour moi 6 ou 7 ans d'écriture qui... Enfin... ولد ميلتون حتوم بمناوس بالبرازيل سنة 1952 من بعد ما هاجروا أهله ببيروت بأوائل القرن العشرين وهو حائز على إجازة بالهندسة المعمارية من جامعة ساو باولو وعلى دكتوراه من باري 3 لتعرفوا تفاصيل أكثر عن حياته المهنية خليكم معنا بعد البريك We'll be right back.
On va parler de votre carrière qui est très intéressante. Vous avez publié votre premier livre, qui est un récit de poésie, en 1979, « Amazonie, un fleuve entre ruines ». Et puis, vous avez publié 10 ans plus tard, en 1989, votre premier roman intitulé « Récit d'un certain Orient ». Et on remarque que dans ce roman, comme dans le second, « Deux frères », ce roman qui est devenu vraiment mondial, traduit en plus de 17 langues, vous parlez surtout dans ces deux romans de drames familiaux. Pourquoi? Bon, parce que l'histoire du roman, le roman du 19e siècle, il parle aussi des drames familiaux. C'est un sujet classique de l'histoire de la littérature, de l'histoire du roman, surtout du roman français du 19e siècle. Mais j'essayais, surtout à partir de deux frères sont d'Amazonie, d'élargir un peu ce sujet, de parler aussi du pays, de la situation politique et historique du pays, c'est-à-dire d'unir, rassembler le drame familial à l'histoire du Brésil contemporain. Donc ça a été mon défi. Mm-hmm. Certaines manières. Bien sûr. Et tout ça à partir de mon expérience. Oui, on remarque que c'est inspiré de votre vie personnelle, bien sûr. Tout à fait. Je crois que l'expérience, le défi du romancier et de l'écrivain est de transformer l'expérience en langage. Exactement. C'est-à-dire comme l'expérience de vie, de lecture et la mémoire se transforme en langage littéraire. Parce que l'imagination, à mon avis, est la force la plus puissante de du roman. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est un pouvoir que chaque humain porte en lui. Mais chacun l'exprime d'une façon ou d'une autre. Et les écrivains, dans leur roman. Oui, c'est ça. Donc l'expérience est fondamentale pour moi, en tout cas. Bien sûr. Le thème de l'immigration, des origines, de l'identité, on le retrouve souvent dans vos romans. Est-ce qu'ils ont un grand sens, à votre avis? C'est-à-dire, c'est un peu aussi les thèmes de l'académicien Amin Maalouf, qui parle beaucoup de ça aussi dans ses romans. Mais vous, bien sûr, d'une autre façon. Mais dans quel sens ces sujets sont importants? Bon, l'identité, la quête de l'identité, c'est toujours une espèce de mise en abîme. Parce que l'identité est toujours plurielle. Non? On choisit des fois notre identité. Il y a une phrase d'un grand écrivain brésilien qui s'appelle Guimarães Rosa, un roman très important, un roman brésilien. Il dit: je suis d'où je suis né, je suis d'autres liens, je suis d'ailleurs. C'est-à-dire, on appartient à notre lieu, mais on appartient aussi à d'autres liens. Aux endroits où on va. Voilà. Donc, cette ouverture est aussi notre identité. L'ouverture vers l'autre culture, autre paysage, autre histoire. Moi-même, le Brésil, c'est ça. C'est un exemple d'identité très ouverte, ouais. De plusieurs identités, couches d'identité, comme le Liban. Bien sûr, c'est un pays multiculturel. D'ailleurs, comme l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe a oublié qu'il y a plusieurs identités dans son histoire. Ils refusent quelque part cela. Les Européens refusent ça. Ouais. Donc l'identité rigide, fixe, n'existe pas. Parce que la culture, quand elle est isolée, elle périt. En 1993, votre premier roman est traduit en français. Qu'avez-vous ressenti de la fierté, de la satisfaction, du bonheur? Ah, un peu, j'étais encore plus ou moins jeune. Vous l'êtes encore. La fierté était encore
très présente, pas maintenant. Mais Récit d'un certain Orient a provoqué une scène très émouvante pour moi, parce que mon père a reçu un journal du Liban, de Berlin. C'est une ville à presque à 1600 km de Manaus, loin. Encore plus loin. Une ville de l'Amazonie, mais loin quand même. Et c'est une recension, un article dans le journal Anahar, je crois. Oui, c'est ce que j'ai lu. Un article sur votre livre. Oui. Parce qu'il il avait atteint le Liban, donc les gens avaient lu au Liban. Donc le journal a traversé l'Atlantique. Et mon père a lu en arabe, a réuni la famille pour traduire l'article au portugais. C'était une fois, je crois que le seul moment où je vis mon père ému, très ému. Quand son père est mort à Beyrouth, je vis mon père pleurer pour la première fois. Et cette fois-là, où il a lu l'article sur les romans de son fils. Bien sûr, et j'ai lu quelque part qu'il avait dit « Cet article me donne l'envie de retourner au Liban. » Oui, il a dit je n'imaginais pas que j'allais retourner au Liban à travers d'un livre écrit par mon fils. C'est ça qu'il a dit à la famille. Ouais. Qui était... Vos parents étaient fiers de votre début de carrière qui était déjà très réussi. Oui, parce qu'ils n'attendaient pas ça, mais moi-même, je pensais que mon livre, mon premier roman, serait lu par une dizaine de personnes. Oui. Mes tantes, mon père, ma mère, mes amis. Il a été lu par des millions de par le monde. Monsieur Hatoum, votre style est unique. Parce que vous rentrez dans les détails, la couleur des poissons, le nom des arbres. Donc, est-ce que vous le faites exprès pour que le lecteur se familiarise avec cette Amazonie dont vous parlez? Ou est-ce que c'est une façon aussi d'étaler vos connaissances en tant qu'écrivain? De travailler sur mon expérience. Donc, tout ce qui existe dans les romans vient de cette expérience. Je suis très flaubertien dans le sens où j'essaye d'écrire d'une manière concise, comme on dit ça, sans gaspiller les mots. J'ai compris. La concision pour moi est fondamentale. De dire des choses qui ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut écrire. J'ai compris. Donc, ça pour moi est très important. Bien sûr, parce que vous avez du respect pour vous-même et du respect pour le lecteur. Oui, parce que je n'aime pas beaucoup les romans qui décrivent des situations, c'est-à-dire. Il faut, je ne sais pas s'il existe ces mots en français, ce verbe d'épurer, la dépuration. Oui, épurer. Il faut épurer. Le langage. J'ai compris. D'après vous, qu'est-ce qui a fait le succès de vos romans auprès des lecteurs? C'est votre style, c'est les sujets? Je ne sais pas, je ne saurais dire pourquoi les romans ont fait du succès, enfin... C'est très difficile à dire ça, parce que quand on écrit, on ne pense pas à un lecteur idéal ou hypothétique, enfin, je ne pense pas à ça. Et mon premier roman, le public n'est pas très large. Là. Au début, il y a eu presque, je dis, attendre 3 ans pour une deuxième édition. Mais les deux frères a eu un succès très grand, immédiat, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est toujours le langage, l'histoire ensemble qui fait de vos romans des succès. Oui. Et je viens de savoir par vous-même que vos livres sont en train d'être réalisés en
feuilleton télévisé et en film de cinéma, ce qui est exceptionnel. Racontez-nous un peu sur ce sujet. Orphelin d'Eldorado, c'est un petit roman, a été déjà adapté, filmé. Il sortira l'année prochaine. Et deux frères va devenir un feuilleton, pas exactement un feuilleton, mais une série de 10 chapitres à la télévision Globo. La plus grande télévision au Brésil. Donc votre littérature atteint d'autres dimensions, puisque vous n'êtes plus auteur, vous êtes scénariste, ou ce n'est pas vous qui avez écrit les scénarios? Non, ce n'est pas moi. Mais vous avez bien sûr tous les droits réservés. Bien sûr. J'ai envie de vous poser cette question. Quel auteur libanais vous intéresse le plus? J'aime bien Elias Khoury. Mm-hmm. Les romans d'Elias Khoury qui ont été traduits en plusieurs langues. Au portugais. Il y a de très belles traductions en portugais. J'aime bien l'œuvre de Khoury. Mais il y a tellement d'écrivains et de poètes syriens aussi, Adonis. La poésie et la littérature arabe sont en train d'être traduits au Brésil. Les dernières 15 ans, par exemple, il y a eu beaucoup de traductions d'arabe, directement. Exactement. D'arabe. Parce qu'il y a 4 ou 5 grands traducteurs d'arabe. Exactement. Ce sont des profs de littérature arabe, de culture et de langue arabe à l'Université de São Paulo, de Rio. Exactement. J'ai fait leur rencontre aussi. Oui. Et vous-même, vous êtes traducteur. Vous traduisez de l'anglais, du français au portugais. Oui, c'est ça. Je traduis peu de choses. Je traduis quelques nouvelles de Flaubert, de Georges Sand. Mm-hmm. J'ai traduit un petit livre d'Edouard Saïd aussi. Oui, Edouard Saïd. Qui est très connu au Brésil. Oui, c'est vrai. Donc, mais je ne suis pas un traducteur full-time. Part-time. Bien sûr, je ne pourrais pas ne pas vous poser cette question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Libanais qui pensent, et ils ont le droit, et ils sont libres, qui pensent que Paulo Coelho est l'un des plus grands philosophes et écrivains de tous les temps. Il est écrivain brésilien, j'aimerais bien votre opinion dessus. Je n'aime pas son œuvre. À vrai dire, je n'ai même pas lu ses livres. Il n'est pas considéré, au Brésil, il n'est pas considéré un écrivain brésilien par la critique littéraire et par les écrivains brésiliens et pour ceux qui aiment la littérature. Il est considéré un écrivain de self-help. De littérature, de bonheur, je ne sais pas, pour qui changer conseille, la vie, oui. Pour la rendre meilleure, les petits conseils de la vie, voilà. De tous donc, les jours. Donc, je n'ai rien contre lui, évidemment. Je n'aime pas envie de son... la fortune qu'il a oui, gagnée. Oui, il vit bien de sa littérature. Ça n'a rien, les marchés n'ont rien à voir avec la littérature. Je le répète tout souvent, moi aussi, que ce n'est pas le nombre de livres vendus qui fait d'un écrivain un bon écrivain oui, ou pas. Oui, c'est ça. Et la logique du marché n'est pas la logique de la littérature. Exactement. Ce sont des choses très différentes. Mais aujourd'hui, M. Milton Hatoum, vous aussi, vous vivez de votre littérature. Oui, mais... J'ai commencé à vivre de littérature à l'âge de 50 ans. Et j'ai eu de la chance parce que mes romans est très utilisé dans les écoles et les universités du Brésil. J'aimerais bien que le pays arabe traduise les romans brésiliens contemporains, la littérature brésilienne classique et contemporaine. Parce que
Ce sont des livres très importants, ce sont des livres qui ont été traduits un peu partout. J'espère bien que les traducteurs libanais, assyriens, égyptiens s'intéressent. Je sais qu'un de vos livres a été traduit en arabe par Safa Gebran. Oui, c'est ça. Oui, bien traduit d'ailleurs. Et bien traduit. أصبح ميلتون حتوم أستاذ باللغة الفرنسية بجامعة أمازون الفيدرالية وأصدر أول كتاب له سنة 1989 وكل كتبه مترجمة إلى عدد من اللغات لتعرفوا أكثر عن حياته الشخصية تابعونا بعد البريك J'aimerais bien qu'on parle de votre famille, parce que je sais en tant qu'auteur que la famille, c'est toujours aussi une base pour l'auteur. Vous êtes marié deux fois, mais de votre second mariage est né deux enfants. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes devenu père pour la première fois? Ah, c'était peut-être la plus grande joie de ma vie, parce que mes enfants, d'abord, le premier, Joan Orana. J'étais en train d'écrire Cendres d'Amazonie. Et il est né quand les romans étaient publiés. Mm-hmm. Donc, je dédiais le roman à Joan, à mon fils, mm-hmm. qui est né avec le livre. Mm-hmm. Et, il a quel âge déjà maintenant? Il a fait 10 ans. Mm-hmm. Et l'autre, Gabriel, Jibril, il a 6 ans. Mm-hmm. Oui, ils sont très... Une fois, Joan m'a demandé qui je suis, parce que tu es de l'Amazone, fils de Libanais, et ma mère est de São Paulo, son grand-père est italien, sa grand-mère est espagnole, ils sont de... Je lui dis, tu es un Brésilien, tu es fils de toutes ces nationalités, de cette... Tu as beaucoup d'origine. Déjà, à son âge, il est en quête de son identité. Oui, parce qu'à l'école, il y a eu une exposition sur les familles,
les grands-pères, les grands-parents, oui, etc. L'arbre généalogique. Et São Paulo, c'est une ville d'immigrés. Oui. Il y a d'Italiens, de Japonais, de Libanais, Syriens, des Juifs, de partout, d'Espagnols, de Portugais. C'est vrai. C'est une ville d'immigrés. C'est vrai. Et d'immigrants du Brésil aussi. Exactement. D'autres régions du Brésil, du Nord-Est, des Minas, partout. Mm-hmm. Et c'est ça qui est fantastique dans cette ville, qui est très moche, une ville laide. São Paulo n'est pas une belle ville. C'est la nature qui est belle, qui, entre oui, les... Oui, ce sont les gens qui... Enfin, qui... Cette mestissage. São Paulo, c'est le portrait le plus fidèle du mestissage brésilien. Mm-hmm. Donc, je lui dis, être brésilien, ça suffit. Ça suffit. Déjà, être brésilien, ça veut dire être... toutes ces oui. nationalités en même temps. Oui, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis qui classifient les origines. Italian-American, italien-américain, hispano-américain, hispanique, américain, arabe-américain. Il n'y a pas ça ici. Les gens, ils se sentent brésiliens déjà les premières générations. J'ai compris. Donc, on n'a pas cette classification qui est très... commun aux États-Unis. J'ai compris. Oui, j'ai remarqué. En tout cas, c'est une... Un Japonais, un fils de Japonais, c'est un Brésilien. C'est une ville très cosmopolite et donc on se sent chez soi quand on est là. Voilà, c'est ça. Ouais, et il n'y a pas la discrimination. Pas du tout. Oui, j'ai remarqué. Est-ce que l'un de vos deux enfants a la plume est-ce que quelqu'un a une passion pour la littérature comme vous? Non, pas encore. Ils aiment plutôt le football. Oui, bien, c'est ils comme des vrais Brésiliens. Ils jouent bien. Ils sont bien sûr maintenant très contents que la Coupe du Monde en 2014, c'est ici. Oui, ils sont très contents. Enfin, ils réservent leur place déjà? Non. Pas encore. On n'a pas réussi à réserver des places. Bah, ah. Oui, parce que c'est tout à fait bordélique. C'est très difficile à... obtenir une place est très cher. C'est trop cher. Oui. Et je remarque que la famille est très importante dans votre vie, bien sûr, puisqu'on le remarque aussi dans vos livres, puisque c'est le noyau de tous vos romans. Votre famille, elle est placée dans vos priorités où? Numéro un, et après votre littérature, ou c'est le contraire? Je ne sépare pas la famille de la littérature parce que ils savent qu'une partie du jour, des fois de la nuit, je suis en train de lire, d'écrire. Mais je crois qu'ils sont plus importants que tout. Que tout, bien sûr. Ouais. Et vous essayez de les éduquer selon des valeurs, des principes. Oui, de respecter les différences. Un autre jour, par exemple, mon fils, João, de 9 ans, il m'a demandé, on est en train d'acheter quelque chose dans une boutique, et il avait un homme couché, très pauvre. Un sans-abri. Sans-abri, et il m'a demandé pourquoi... Tous les pauvres au Brésil, ou presque tous les misérables, sont noirs. Mmh. Il m'a posé cette question. Alors, je lui ai expliqué un peu la colonisation, qu'est-ce que le Brésil avait de l'esclavage. Mmh. Il y avait des esclaves qui sont obligés d'être venus de l'Afrique pour travailler au Brésil, et que la République brésilienne... n'a pas donné dignité à ces Brésiliens d'origine africaine. Donc, ça a été une question très dure. Bien sûr. Difficile à répondre pour un gosse de 9 ans. Donc, il commence à percevoir l'inégalité sociale au Brésil. Il remarque que les pauvres, les plus pauvres sont... la plupart sont noirs, sont d'origine africaine, ce qui est vrai.
Et l'école aussi a déjà commencé à parler de la, du régime militaire, son école. Ça, c'est très important parce que le Brésil, l'image du Brésil dans le monde, c'est encore une réunion de clichés, de stéréotypes, le pays du football, du samba, de belles femmes, etc. Mais c'est pas comme ça. Exactement, j'ai remarqué. C'est un pays très violent. Exactement, on est marqué par ça. Ah oui, parce que c'est dans les rues. Il y a presque une guerre à la, de la périphérie de grandes villes. Il y a encore beaucoup de gens qui sont tués, de jeunes gens au Brésil. Dans la périphérie, dans la banlieue plus pauvre. Donc la violence est très, très dure. Bien sûr, je regarde la quantité extraordinaire de policiers partout dans les rues. Oui, donc c'est un pays avec beaucoup de problèmes. Exactement. Beaucoup de problèmes. Comme partout dans le monde, il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des problèmes, mais ça dépend aussi. C'est différent d'un pays à l'autre. Parfois, il y a la guerre, parfois, il y a la crise économique, parfois, il y a le manque de sécurité. Oui, c'est ça. Le monde devient invivable de plus en plus. مثل ما شفنا تزوج ميلتون حتوم مرتين وهو كتير متعلق بولاده ربيهن على القصص الصالحة لتعرفوا أكثر عن علاقته بلبنان خليكم معنا بعد البريك Parlons du Liban. Vous l'avez visité deux fois, une fois en 1990 avec votre père et une autre en 2010 où vous avez donné une conférence. Racontez-nous un peu vos premières impressions lors de votre première visite. La première fois, ça a été un peu triste parce que la ville était détruite. Enfin, une partie de Beyrouth était détruite. Mais c'était très émouvant. Parce que je suis arrivé à Beyrouth avec mon père, qu'il n'y était retourné depuis 33 ans. Oh. C'était lui qui était très ému et vous étiez ému face à son émotion. Oui, et on a pris un taxi et il dit « Je vais à Bourges. » Et le chauffeur lui a demandé « Quelle est votre famille ?» Il a dit « Hatoum ». Et le chauffeur dit « Je connais les Hatoum, la famille. » C'est très libanais, ça, tout le monde connaît tout le monde. J'ai voyagé beaucoup pendant deux semaines. J'ai connu plus de 50 cousins et cousines. Une folie de gens, du monde. La visitation, je mangeais 4-5 fois par jour. Oui, ça c'est très libanais aussi. J'ai grossi quelques kilos. C'est typique. De semaine. Et c'était très émouvant. Je rêvais du Liban parce que mon père, même silencieux, un homme très. Pas éloquent, c'est-à-dire, il m'y parlait du Liban. Il montrait des photos, il y avait des... Il était très attaché à son pays. Ah oui. Et il parlait l'arabe en votre présence aussi. Oui, oui, il parlait avec mon grand-père, avec ma grand-mère, avec quelqu'un de ses amis. Donc, il parlait bien, il écrivait bien. Il était parfaitement bilingue.
Il a appris le portugais, il écrivait aussi en portugais, il lisait. Et donc, c'était émouvant. Bien sûr, c'était le retour aux sources. Oui. Et pour vous surtout. J'ai connu le nord, Trablus, Tripoli, et le sud. Enfin, j'ai voyagé un peu. J'ai connu Batroum, une belle ville. Bien sûr, à côté de la mer. Une belle ville. Enfin, Beka, enfin, Byblos, Kilou. Et lors de votre seconde visite, vous avez vu un Liban un peu différent, j'imagine. Tout à fait différent. Tout à fait différent. La ville reconstruite dans sa splendeur de grande ville, la plus belle ville de peut-être de Moyen-Orient, peut-être Damas et Beyrouth. À mon avis, sont de très belles villes. Bien sûr. Et à l'université aussi de Saint-Joseph. J'étais aussi à l'université américaine de Beyrouth pour faire une conférence. Donc ça a été extraordinaire, oui. Avec des écrivains latino-américains. Oui. Vous avez rencontré des auteurs libanais. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a un niveau assez haut de l'éducation et de la culture au Liban? Je crois que traditionnellement, le Liban et Beyrouth, ça a été ce carrefour entre... il a beaucoup publié, le Liban a toujours publié de traductions. Exactement. Et la revue d'Adonis aux années 50, par exemple, 60, les revues qu'il a dirigées, enfin, ont été des revues très importantes pour le monde, pour la culture arabe. Donc, et la presse libanaise aussi, il y a des journaux très importants, des revues, L'Orient, Les Jours, et des journalistes très compétents. De très bons journalistes. Donc, l'ambiance universitaire est très... je crois qu'elle est très sérieuse au Liban. Bien sûr. Donc, je crois qu'il faut faire la paix avec le voisin. Et les voisins aussi, il faut faire la paix avec eux. D'abord, il faut créer un État palestinien. Ça, c'est le grand problème. Bien sûr, c'est là où tout a commencé. Il faut absolument créer un État palestinien libre, indépendant et tout à fait viable. Sans ça, il n'y aura jamais de la paix au Moyen-Orient. C'est vrai. Il faut trouver la bonne solution et je crois que ça commence par... Oui, parce qu'il y a un peuple sans État, sans patrie. Exactement. Il y a un peuple coincé, emprisonné. C'est pas juste. C'est vrai. Vous croyez en la justice? Non. Pas du tout. Vous croyez plutôt en la justesse? Je crois qu'il y a quelques hommes justes. Mais qui ont ou été tués, ou assassinés, ou exilés. Oui, par exemple, Sami Kassir, c'est un grand journaliste et historien. Auteur. J'ai lu son livre, Histoire de Beyrouth, qui est merveilleux. C'est vrai. C'est pourquoi ça? Pourquoi cette violence, cette tuerie? Ça n'aboutit à rien. Parce qu'au Liban, on paye cher la vérité et le courage et l'honnêteté et la transparence. Oui, mais il n'existe pas la vérité absolue. Exactement. Il existe les doutes, tout le temps. Donc, la tolérance, enfin, la... voir et accepter les différences est fondamental pour l'être humain, exactement, pour toute société. Bien sûr. Crois. Un dernier mot que vous aimeriez dire à tous les téléspectateurs libanais qui nous regardent ce soir au Liban et partout dans le monde? Donc, je voudrais remercier votre gentillesse, votre amabilité. C'était un plaisir de parler au Liban, aux Libanais, au monde arabe. J'aimerais bien qu'ils... Je rêve d'une rencontre culturelle, d'un échange culturel, pas seulement économique, mais aussi culturel. Surtout culturel. Entre le monde arabe et le Brésil et l'Amérique latine. Il faut connaître
les pays arabes, la culture arabe. Et il faut aussi que les Arabes connaissent la culture, les pays latino-américains. Ça, c'est la seule condition de devenir, de l'avenir, de comprendre les uns les autres. Bien sûr. Parce de nous comprendre mutuellement. Exactement. C'est ça que j'aimerais bien, des livres, des films, le théâtre, la danse, la musique brésilienne et arabe soient connus par les deux peuples. En tout cas, au 21e siècle, on ne peut que devenir des citoyens du monde pour pouvoir vraiment survivre. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, M. Milton Hatoum, je vous remercie pour cette très belle rencontre et j'espère vraiment vous revoir au Liban pour signer votre prochain livre qui sera traduit en arabe, j'espère. Merci bien, merci à vous. Merci à vous. تعرفنا اليوم على ميلتون حتوم هالكاتب العظيم اللي ترجمت كتبه إلى أكثر من 17 لغة وأصبحت أفلام سينمائية إن شاء الله كلنا نكون تعلمنا منه الصدق والحقيقة إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن ميلتون حتوم ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت لتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ